jusqu'au 22 avril, ne manquait pas le printemps du livre et des arts de Tanger. Depuis sa création en 1996, cet événement littéraire n'a eu cesse de favoriser le débat et les échanges entre écrivains et penseurs des deux rives de la Méditerranée. Depuis 2002, sa programmation s'articule autour d'un thème décliné en table ronde, conférences et débats. Ouvert à toutes les formes d'expression, il propose également un programme artistique, théâtre, arts plastiques, cinéma. Plus de renseignements, printempsdulivretanger.org. Au cinéma Leila Alaoui à Marrakech, le mardi 24 avril à 19h, vous pourrez voir Une saison en France, réalisée par Mamad Salam Haroun, avec Eric Eboanet, Sandrine Bonner, Aylana Lys. Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France. En attendant d'obtenir le statut de réfugié, le quotidien d'Abbas s'organise, ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes du passé. Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille déracinée et de Carole, privée du foyer qu'elle a cru reconstruire? Plus d'informations, facebook.com/cinéma Leila Alaoui.